Bonjour et bienvenue sur la page L'onde féerique. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite séance d'automassage pour traiter les douleurs liées à l'utilisation d'un ordinateur, que ce soit au travail ou à la maison. L'automassage, ça sera une des petites pratiques que l'on fera pendant les ateliers Mon moment magique au féminin. Voilà. Prochainement. Alors, on commence, on va traiter d'abord la fatigue oculaire, ensuite la fatigue des mains et on terminera par la fatigue des poignets. La fatigue oculaire, on commence, on va prendre ses doigts et on va faire des petits cercles autour des yeux en passant sur les côtés du nez, en passant également en dessous des sourcils et sur l'arête zygomatique. On peut faire ces cercles une douzaine de fois. Donc faut pas effleurer, faut vraiment appuyer, mais pas trop fort non plus pour pas que ça fasse mal. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur un point spécifique qui est le point de la cavité de la musique. Donc c'est sur les côtés des sourcils qu'on va appuyer pendant deux respirations. Et on va lisser jusqu'à la naissance des cheveux. Ensuite, on va poser ses mains quelques minutes en remontant légèrement sur les pommettes. Donc là, on effleure vraiment, c'est très léger. On relâche. Ensuite, on va travailler sur la fatigue des mains. Pour commencer, on va effectuer une torsion des doigts, donc entre le pouce et l'index, pendant 6 secondes par doigt. Moi, je vous la fais en rapide. Voilà. On va faire l'autre main. Ensuite, on va faire une torsion. Va étirer les doigts. Donc de la manière qui vous est la plus agréable. Voilà, un par un. Vous pouvez même rajouter une petite touche de crème. Et pour finir, on va venir masser les espaces intermétacarpiens du poignet jusqu'à la naissance des doigts, enfin, début des doigts. Voilà, les interstices en fait. Voilà. Ça, on peut le faire 6 fois de suite comme toutes les autres petites choses avant d'ailleurs. Voilà. Pour finir, on va traiter les poignets. On va venir se masser avec la pince, une pince. On va venir se masser entre le poignet et le dessous du coude en aller-retour. N'hésitez à appuyer, hein. Ça fait du bien. Ensuite, on va effectuer une pression avec la paume de la main sur l'autre main, vers le bas. Alors là, c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous supportez et ce qui vous fait du bien aussi. Faut pas hésiter à vraiment appuyer si vous ne ressentez pas de douleur et que vous le désirez. Voilà, pareil de l'autre côté. Pour terminer, on va plier la main et effectuer
effectuer la même chose, une petite pression. On peut même, pour ces deux exercices-là, poser son coude sur une surface plane pour prendre de l'appui. Qu'on peut refaire également 6 fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu et si d'autres choses vous intéressent, sur quel sujet. Voilà, bisous!